tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les sorties du mois de mars qui me font de l'œil, qui me font envie, mais que je ne pense pas craquer, étant donné que je me suis limitée à 4-5 livres par mois et que j'ai de plus en plus de mal à acheter du neuf. Mais, et que surtout, j'ai envie de vider mes bibliothèques avant de déménager. Hein. Donc ça sera plus... de l'e-book, je pense. Mais voilà, je les ai notés parce que... il me faut envie. Donc j'en ai noté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc pour ce mois de mars, au 4, j'ai noté Né sous une bonne étoile d'Aurélie Valogne. Cette autrice est en signature d'ici peu. À Amiens, normalement je peux y aller, donc je vais peut-être essayer d'y aller et bah peut-être que je craquerai pour ce titre. Le 6, donc si, il sera sorti, donc je pourrais acheter le... Attends, bon, mon avis c'est fait exprès, de toute façon je suis con. Donc si, je pourrais me procurer celui-ci au pire. Voilà, et c'est à Martel. Donc, pourquoi pas. Toujours au 4, Life is short, love is rare. Enfin, je sais pas si ça se dit rare, mais rare. Enfin, c'est bizarre. D'Alana Scott aux éditions EH. Je trouve le titre sympa. Et voilà. Vous attendez pas à des résumés avec moi. Moi, je ne les lis pas. Je ne suis pas de ces personnes qui lisent les résumés avant de lire le livre. Moi, je n'y arrive pas à me mettre dans un bouquin où je sais ce qui va se passer. Je ne vois pas l'intérêt. Voilà. Donc non, je ne lis quasiment jamais de résumé, donc je ne vous donnerai pas de résumé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une romance. Voilà. Ensuite, le tome 4 de La Légende des 4 de Cassandra O'Donnell sort. Il faut que je lise le tome 2. Mais bon, je me le note parce que moi, c'est une saga que je continue à lire. Donc je me suis notée. Enceinte, en 5. Oui, t'es enceinte, meuf, mais c'est la date du 5. Donc en 5, je me suis noté Beyond the Clouds, le tome 4 de Nikkei. Et là, je crois que j'ai lu les deux premiers. Et là, je suis en vacances. Je ne sais pas que je vais être. Je suis en vacances, donc je vais pouvoir en profiter pour me remettre à jour dans mes séries manga, mes bandes dessinées, tout ça. C'est cool. Donc oui, je me le suis noté. Ensuite, Everyday Heroes, le tome 2 de Kay Bloomberg. Là, c'est la saga avec les hommes en uniforme. Le premier, je crois que c'était sur un policier. Je pense. Là, le deuxième, il me semble que c'est sur un militaire. Mais je suis pas sûre. Mais bon, c'est la saga de chez Hugo. Avec des hommes en uniforme. En date du 6... J'ai vraiment du mal. Je me suis noté Elisa Knox, le tome 1, Veuillez rendre l'âme de Florana. Florana, j'ai toujours du mal. Voilà, j'en ai lu 1, 2. J'ai lu Les Bottes Rouges, où voilà, ça n'a pas forcément fait. C'était bien, mais sans plus. Et enfin, voilà. Donc à voir, je vais continuer. Voir ce que ça donne, donc c'est pour ça que je me les note toujours, les Florana. Le 8, Dreams on Earth de Amélie Séastier. Ça, c'est pareil, c'est une autrice que je suis, mais que je ne lis pas assez souvent. Voilà. Mais voilà, à chaque fois, je me les note. En date du 10, Anam Cara, tome 1, Kalesa de Melissa Gabbio. C'est aux éditions Sharon Kenna. Et là, je sais pas si c'est pas un MM ou... Mais ouais, celui-ci, il m'a tenté. Donc je l'ai noté, mais il me semble que c'est... Je sais plus. Enfin bon, je mettrai en annotation, hein, si jamais. Lorsque je vais voir la couve, ça va me rappeler quelque chose. En date du 11, 13 minutes de Sarah Pimborough, aux éditions Castelmore. Sarah Pimborough, j'ai lu... Je sais pas si vous allez les voir, ils sont là. Ben, j'ai lu le premier... de la saga des contes des royaumes là, et j'avais pas aimé du tout et je comptais pas lire la suite, mais je les ai trouvés en occasion, donc je les ai pris, donc je me suis dit peut-être que je vais lire la suite,
Et là, c'est dans un autre style. Et je pense que ça, c'est peut-être ses tout premiers. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être pas si ouf que ça. Mais ouais, je me les note toujours, les Sarah Pemble aussi. Il y a mon amie Adèle que je voudrais lire cette année. Donc, à voir. En date du 12, Eleanor and Gray de Brittany C. Cherry. Ça, c'est une autrice que je suis. Il n'y a pas. Je veux lire toutes ses parutions. Voilà. J'adore cette autrice. Donc, hâte. En date du 18, Les Joyaux Noirs, tome 1, Fille de Sang, Dan Bishop aux éditions Milady. Donc c'est une nouvelle saga Dan Bishop. Celle-ci à lire. Hein? Mais je me note quand même la deuxième. La nouvelle saga. C'est jamais, hein. Déjà celle-ci me donne forte envie, mais voilà, c'est quand même pas une petite saga et c'est pas des petits bouquins. Donc voilà, on fait toujours passer à autre chose avant et nous on a du mal à finir ces sagas déjà. Donc ouais, mais bon, je me note. Y a pas. Ça aussi, à titre d'information, Les Ailes d'Émeraude d'Alexiane Delis sortent en version intégrale chez J'ai lu. Donc je l'ai noté pour, voilà, que vous soyez au courant. C'est une saga que je n'ai toujours pas commencée, mais dont j'entends que du bon. J'ai le tome 1, le tome 2, il me semble, dans ma palle. Donc voilà. C'est bien qu'ils sortent des intégrales. Et le dernier, à la date du 25, sort Les Brumes de Cendrelune, le tome 2 de Georgia Caldera, La Symphonie du Temps, aux éditions J'ai lu. Et là, c'est cool parce que le premier est sorti il n'y a pas très très longtemps, il me semble. Donc là, c'est bien, ils les sortent en allant. Et c'est cool pour les personnes qui l'ont lu, ils n'auront pas trop à. Voilà, ils n'auront pas trop perdu ce qu'ils ont lu. Et c'est bien, c'est cool ça, c'est cool. S'ils pouvaient faire ça plus souvent, parce que voilà. On lit des tomes 1 et voilà, le tome 2 sort 2, voire 3 ans, voire plus d'années après, et c'est vraiment compliqué. Voilà, c'est un peu ça aussi le côté négatif des sagas, mais en même temps, si on est comme moi, qu'on lit le tome 1, qu'on attend, même si toute la trilogie est finie, si la saga est finie, j'attends toujours pour lire la suite. Voilà. Bon, on me refera pas, mais je vais y travailler un petit peu. Donc voilà pour les sorties du mois de mars qui me font envie. N'hésitez pas à mettre vous en commentaire quelles sont les vôtres. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!